Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve à Arcachon, mais là on va pas y rester longtemps, on prend la route. Voilà, ça va être le premier vlog d'une série voyage. Pour ceux qui me suivent sur mon Instagram French Lefty Golf, vous l'avez découvert. Sinon, si vous n'y êtes pas, foncez sur Insta. Je suis ambassadeur d'une agence de voyage golfique, Greens & Waves, qui est une agence basée à Bordeaux, tenue par un couple. Sylvie et Lucius, donc Lucius est nord-irlandais et Sylvie est à moitié espagnole de Santander. Et vous allez comprendre l'intérêt, c'est que on part avec Christelle. J'ai dit on, oui, je suis pas tout seul. On part avec Christelle. Salut. Qui est là. On prend la route, là il est 7h30 du matin à Arcachon. Ouais. Ça pique. Mais bon. Que du kiff, puisqu'on part direction Santander. On y arrivera dans la soirée. Sur la route, on va vous proposer plein de belles choses. Mmh. Il va y avoir Saint-Sébastien, il va y avoir un très beau golf dessiné par Ola Sabal. L'arrivée à Santander ce soir et demain, le point d'orgue du voyage, on va jouer et vloguer le parcours où Severiano Ballesteros a appris le golf à Pedreña en Espagne. Donc on part tout de suite les amis, c'est parti, on vous fait vivre le voyage avec nous et on espère que vous allez kiffer. Donc si tu regardes la vidéo, que tu t'es pas abonné, abonne-toi pour rien rater parce qu'il va y avoir des vidéos. Il y a plein de trucs à voir. Ça ah ouais, l'année prochaine. Donc dans ce vlog, vous verrez des shots et vous verrez tout le week-end en Espagne, ça va être incroyable. Et ensuite, tu auras les vlogs du parcours dessiné par Ola Sabal et le vlog du parcours de Pedreña. Donc, il risque d'y avoir de l'émotion parce que ceux qui me suivent depuis le début, vous savez, je suis fan absolu de Ballesteros. Malheureusement, il est décédé avant que je commence le golf, mais gros modèle, grosse inspiration et d'aller jouer son parcours. Et ceux qui n'ont pas vu le film CV The Movie, il est sur YouTube libre, il est incroyable. Ouais, faut sortir les mouchoirs, là. Ouais. Ouais, on prépare les mouchoirs, mais c'est magnifique. Ah ouais. Et c'est sur ce parcours-là qu'on va aller vlogger. Donc les amis, on est parti. Très bonne journée. Kiffez bien la vidéo et en route. Un maximum de pouces bleus pour la première vidéo voyage, les amis. Hein. On va quand même vérifier qu'on ait l'essentiel. C'est bon. Les sacs de golf sont là. On est paré. Christelle, en route. C'est ça. Allez, copilote. Qui va dormir, mais ouais, bon. Je pense le copilote qui va dormir dans copilote pas longtemps. En là. Carton, mais bon. Moi, ça fait plaisir là. On va quitter la France, chose qu'on n'a pas fait depuis des mois. Vacances annulées au mois de février. On est en Espagne, panneau espagnol. Ça y est, c'est parti. On va direction Saint-Sébastien pour le premier petit arrêt. On va se faire une petite pause, je pense, parce que là déjà, il y a besoin d'un petit café et de repartir. Petite pause à Saint-Sébastien avec le masque, mais petite pause quand même, ça fait plaisir. Et là, vous allez voir, la vue elle est incroyable. On est bien là, Christelle? On est bien, ouais. Donc là, on est à la Concha à Saint-Sébastien. Donc à Saint-Sébastien, vous avez un golf aussi, le Real Golf Club de Saint-Sébastien. C'est un golf assez privé à Fontarabie, donc moi je l'avais joué. En plus, Arcachon a un accord avec. J'ai le droit d'aller jouer une fois par an gratuitement, ça fait plaisir. C'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est vrai que tout ce genre de club, il y a aussi Negouri ici. T'as Pedreña, bien sûr, où on va demain. Et c'est vrai que tout ce genre de club privé, je suis content, comme là, Pedreña et tout, que ce soit l'agence qui s'en occupe. Sinon, c'est assez compliqué de booker. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui m'ont posé en question sur Insta au niveau de l'agence et tout. N'hésitez pas à les contacter parce qu'en fait, il y a pour tous les prix. C'est-à-dire que votre budget soit serré ou que vous ayez envie d'un truc vraiment luxueux et que kiffer à fond, tout est possible. Donc n'hésitez pas à les contacter. Il y a le lien dans la description et franchement, ils vous feront kiffer parce que ils sont très, très, très pros. Regardez qui c'est qui est en train de répondre à son Insta là. Hein? Non, non, je fais des vidéos, je fais des photos pour partager tout ça encore. Voilà. C'est vrai que c'est beau, hein. Allez, après avoir bu un petit pot dans un petit bar basque là, face à la mer, on file au golf d'Ubuarou, dessiné par José Mario Lassaval à côté de Bilbao. Donc c'est parti, donc on reste au Pays Basque encore. Et après, par contre, on change de région et il paraît que niveau culture, justement, c'est assez différent. Donc ce sera marrant de regarder un peu ce qui change. Mais ce soir, alors, vous savez notre amour pour les pinchos du golf d'Arcachon. Le bar basque où on a bu un verre, il y avait écrit en gros pinchos, mais bon, à 9h30 du matin, moyen. Moyen, ouais. Par contre, ce soir, je pense, ça sera pinchos en bord de mer. On dirait Luc un peu avec le golf d'Ilbaritz, là. C'est vrai. Alors, c'est pas du tout Ubuarou.
c'est Ouraburu, les amis. Là, c'était vraiment en mode... Ouais, mode touriste complet. Non, c'est le golfe d'Ouraburu. Donc, on y va, les amis. On se retrouve là-bas tout de suite. C'est parti. Bon, ben là, on va pas tarder à arriver. Alors, les amis, on fait que monter depuis un moment. Ça doit être magnifique. Donc, on est toujours au Pays Basque. Et Pays Basque, on peut le dire quand même, au niveau terre de golf, que ce soit côté français, espagnol, les golfs sont bijoux. Et ça a formé du gros golfeur quand même. On a Olazabal, on a Otaegi, Lorenzo Vera, Yon Ram. On est quand même... c'est solide. Mais en même temps, quand tu vois les golfs, tu comprends. On n'est pas loin d'arriver. Et ça a l'air... Mais là, on est très haut. Hein. On a l'altitude. Je sais pas où on est. Campo de golf. Waouh. C'est dommage. Il y a un peu de brume. Ouais. Oh la vue. Ça commence à se lever quand même. Le soleil arrive. Ouais. Bon, ça y est les amis, on arrive au golf d'Ouraburu. C'est écrit là, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Par contre, on est monté énorme en altitude, il y a encore de la brume, on est même quasiment au-dessus des nuages, c'est pour ça il fait beau, mais en bas il faisait mauvais. C'est assez incroyable, je ne sais pas du tout l'altitude, il faudrait que je regarde. Oh là là, oh la vue sur le green là, dès qu'on arrive les amis. Regardez les amis, là ça y est, on arrive, on vient de sortir du club. C'est magnifique. Avec la vue, dès que la brume va se lever, je pense déjà elle se lève depuis tout à l'heure. Les amis, quand t'es au restaurant là... Oh là là. Bon bah allez, à table, on va prendre des forces avant la partie. Ouais. Pour commencer, petite salade. Et tout vient d'ici. C'est ça, plutôt local. Tout est local, qu'avec des produits locaux des agriculteurs d'autour, là, donc ça fait plaisir. Ouais. Mais allez, on va prendre des forces avant la partie, parce que vu le parcours, il va y en avoir besoin. T'es en Espagne, quand il y a les petits piments. C'est quoi un séjour au Pays Basque? C'est la tortilla. C'est la tortilla. La tortilla. La tortilla, muy típica. C'est muy típica et buena. Oh, je suis nul à chier en espagnol. Mais c'est pas grave, on se fait comprendre. Bon voilà, ça y est, on est venu récupérer les sacs de golf à la voiture. On est prêt. On est prêt, c'est bon. Là, ça tape. Ça s'est bien levé. Les vues vont être juste folles. Là, par contre, vous nous voyez porter les sacs, mais vous inquiétez pas, on a la voiturette. Un Christelle. Après manger, en plus, ça serait compliqué. Ouais, là, ça serait très compliqué après manger. Le parcours a l'air dingue au niveau vallonné. Ça a l'air vraiment incroyable. Donc, on est parti. Donc là, bien sûr, vous aurez des vidéos de quelques shots, quelques vues. Et dans quelques jours, le vlog du 18 trous arrive complet sur la chaîne. Oh, il a vu en arrivant. Ouais les amis, fin de cette partie incroyable à Ouraburu. Ça y est, maintenant je le dis bien. Ça y est, maintenant là, je suis un local. On part prendre la voiture direction Santander où on dort ce soir. Et on va aller se poser un peu à la chambre. Mais pas longtemps, j'ai peur parce qu'il y a un peu de route. Et ensuite, ça va être tapas. Comme les pinchos, comme au golfe d'Arcachon, ça va être royal. Petite nuit, et puis demain, on va aller sur la plage où s'entraîner CV, et puis on va aller faire le golf, et ça va être kiffant. Là, très beau tracé, hein. Vraiment incroyable. Vraiment, si vous venez faire Ouraburu, le meilleur conseil que je puisse vous donner, les amis, prenez la voiturette. Si vous l'avez pas, je pense que vous jouez en 5h30. Les liaisons sont ouf. On vaut mieux pas être claustrophobe là. Il est énorme le tunnel. Est-ce qu'on va voir le bout du tunnel? La blague. Excellent, excellent. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est H24 comme ça. Oui. Ça fait 14 ans. Et voilà. Allez, direction Santander là les amis, on arrive dans 1 heure. Très attention à la brigade du kiff. Ouais, je sais pas si elle vient en Espagne.
parce que sinon c'est perpète direct. Ce qui est cool, c'est que depuis mercredi le 9 juin, donc, il n'y a plus besoin du PCR, il y a juste besoin d'un antigénique. Ce qui fait que c'est rapide, c'est une heure à la pharmacie, donc c'est vraiment cool. Nous, on l'a fait à la pharmacie à côté de chez nous, une heure après le résultat, donc ça, c'était top. Et on arrive là, ça fait plaisir. Ah, le bateau là, c'est magnifique. Ah oui, wow. C'est juste demain, je pense. Un ascenseur pour voiture. Première fois. On vient de rentrer à la parking de l'hôtel. Oh putain, oh, t'as senti quoi? Ah, c'est bon. Incroyable. Là, gros kiff. Oh là là, c'est incroyable. C'est magnifique avec le relief là au fond. Bon, ça y est les amis, on est arrivé à Santander. Ça y est, on y est. Le long du port avec toute la baie qu'on va encore mieux voir dans pas longtemps avec le petit port de plaisance là. Vous êtes prêts? Ça fait plaisir. Vous voyez pas nos sourires, mais... Ils sont là, les sourires. Hein. Ils sont là. Ça se dessine presque à travers les joues. Mais ils sont là, les sourires, les amis. Ça fait plaisir de pouvoir rebouger. Ouais. Oh, quel kiff, franchement. Bon, mais on va faire les pinchos de Santander, après les pinchos d'Arcachon. C'est pas les mêmes, mais ma foi, en terrasse, bien garni, ouais. On est pas mal. Fait une bonne journée les amis, levé là depuis 6h du matin, il est minuit, bien rempli avec la route, les golfs, là je crois que la nuit va être bonne, on se retrouve demain matin, petit déj, et on part sur la plage où CV s'est entraîné quand il était enfant, alors là, ça va faire plaisir. Allez dodo, bonne nuit. Yeah. Et bien jour 2, c'est parti. On va aller voir si l'océan est toujours là. Et puis un petit déj, on est parti. Avec le lever du soleil en prime, on est pas mal. Allez, on file prendre quelques forces pour être en forme la journée. Allez, c'est parti. Vous motivez ? Oui, très motivé. Ça pique un peu le matin. Bon voilà les amis, on va aller jusqu'à la plage en face de l'hôtel. Donc après, là le quartier où on est, c'est Sardinero, c'est un quartier du 19e, c'est magnifique. Mais c'est au bord de la mer, mais c'est pas du tout dans le centre-ville de Santander. Donc après, il n'y a aucun problème, selon ce que vous voulez faire, l'agence aussi, vous pouvez être à la plage de Somo du côté du golfe de Pedreña. Ou sinon dans le quartier vraiment plus urbain de Santander où on a mangé hier soir. Donc ça après... c'est selon vos préférences, c'est comme vous voulez. Ça y est, là c'est bon, vous voyez nos sourires du matin. Donc là on arrive à la plage des Sardinero, donc c'est une des plus belles plages d'Espagne. Et franchement, ouais, très belle. C'est très beau. Oh, mais que vois-je là-bas à flanc de colline. Regardez ça. C'est très vert. En fait c'est un golf 9 trous celui-là, c'est Matalenas.
à flanc de colline, vue sur l'océan. Alors là, à mon avis, quand tu joues là, ah ouais. Oh, les vues, ça a l'air, mais bijou. Ah ouais. Alors, je crois que c'est qu'un 9 trous. Mais là, déjà, quand tu vois le dénivelé d'ici, ça doit être très sympa à jouer. Là, franchement, on est pas mal de bon matin. J'ai oublié les lunettes de soleil, par contre, à la voiture. C'est dommage. Alors, c'est dommage avec la brume, on voit pas tout. Là, la brume et le soleil. Mais là-bas, vous avez le palais de Magdalena. Alors, c'était construit par l'arrière-arrière-grand-père du roi d'Espagne actuel. Et il a fait ça. Et il a aussi fait, avec sa cour, ils se sont dit si on faisait un golf à Pedreña, et du coup ils ont fait le golf à Pedreña. Donc autant dire, des gens de goût. Et ben je pense qu'on va prendre la voiture et on va aller voir ce qu'ils ont construit, voir ça. Ça te dit? Oui, allez, grave. C'est parti. Alors, je vais profiter de ce petit panneau de pub, hein, parce que vous voyez, nous on est par là-bas, et là vous voyez bien le palais. Parfait. Et le 9 trous que je vous ai montré là-bas. Et finalement une photo imprimée, ouais, et puis tu vois tout, hein. Je plaisante là, c'est incroyable, ouais. Ce qu'on vit, et vaut mieux être sur place quand même. Ouais. Bon voilà, on quitte l'hôtel. Ouais, ça y est, c'est le temps de partir au golf. Exactement. D'abord on fait un petit stop. Oui, d'abord on fait un petit stop. Et pas n'importe lequel. Ouais, c'est ça. On s'arrête à la plage de Somo, qui est la plage où CV s'est entraîné. Quand il était jeune, ouais. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, CV Reano Ballesteros, déjà vous tapez dans Google, ça m'étonnerait que ceux qui regardent cette vidéo ne connaissent pas. Vous avez le film CV de Movie qui est disponible sur YouTube gratuitement, qui est incroyable à voir. Et donc c'est la plage où il s'entraînait enfant avec son fer 3 à créer des shots. Donc on va aller voir ça avant de filer au golf de Pedreña. Donc oui, c'est un mur, mais ce n'est pas n'importe quel mur. Non, Thomas. Absolument. Mais c'est le mur qu'est-ce qu'elle a des CV pour aller jouer le golf de Pedreña. Tiens, il y a l'entrée ici. Ah, ouais. Une explication, je pense, à pourquoi CV pouvait s'entraîner sur la plage. Il venait pas le dimanche matin et il venait pas quand il faisait 27 degrés. Seule explication. Parce que là, il y a un peu trop de monde. C'est sublime. Avec toute la baie de Santander. Donc je vais pas pouvoir taper de coups dans le sable, hein, forcément, il y a trop de monde, mais c'est magnifique là. Et regardez les rochers, les décors qu'on peut voir dans le film et où il tapait là. C'est vraiment, c'est magnifique. Du coup, question. Christelle, plage ou golf? Vu la chaleur, plage, mais... mais non, on va aller au golf. Non, on va aller au golf. Golf de Pedreña, on est passé le long là, ça a l'air vraiment ultra vallonné. Et il fait vraiment très chaud. Donc gros kiff. On espère que vous appréciez les amis, et puis on va se retrouver au golf dans quelques instants. Ça y est les amis, on est arrivé. On va aller au club pour voir, prendre le départ, voir peut-être pour prendre une voiturette maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait le parcours de loin. Regardez les jardins du golf. Déjà rien que là, ça te met dans l'ambiance. Hein. Bon voilà les amis, voiture est récupérée parce que je pense que ça va être pas mal vu qu'il fait très chaud. Et ce qui fait plaisir dès l'accueil au Pro Shop, direct. Oh Thomas, c'est tout. Que tout soit organisé, c'est un bonheur. On n'a pas de questions à se poser et c'est vraiment génial, c'est très appréciable. Encore une fois, si la brigade du kiff passe, c'est perpète. Hein.
Bon, ça y est les amis, je vais taper quelques balles au practice. Practice sur herbe, ça va être gros kiff, on va s'échauffer. Là, vous voyez que ce soit dans la voiturette et tout, je me sens aussi focus qu'un matin de compétition. Vraiment, il se passe quelque chose quoi. Quand je suis ici, vous savez, l'amour que j'ai pour CV, d'être là dans le lieu qui est baigné d'histoire, vraiment, ça fait quelque chose. Et j'ai envie de vraiment bien jouer, kiffer le parcours. Donc, on est pas mal. On est en voiturette. Christelle. Christelle qui est sur Insta en train de vous répondre. Non, dans le partager. Dans le partage. Ah, dans le partage. Et puis on va y aller, on va s'entraîner. Et en plus, j'ai quand même sorti les chaussures neuves pour aujourd'hui, les amis. Petite Footjoy première, total look blanc et bleu. Voilà, on fait les choses bien quand même sur un beau golf. La roue est superbe, ça fait envie. Là, on a croisé un Français qui travaille ici, qui nous a dit que le parcours était juste parfait. Mais en fait, rien que quand tu vois les zones là, au-dessus des départs et tout, quel kiff. Et puis la vue, ça va être dingue, ça va être dingue. Regardez ça. Ceux qui ont vu le film CV2 Movie, vous reconnaissez, on le voit beaucoup dans le film, se trouve, et à juste titre, quelle pureté. Là, je vous le dis, ça fait quelque chose. Bon, les amis, voiture est rendue. Maintenant, je crois que ça va être un peu manger, un peu boire. Regardez là, quand vous faites votre chip, là, c'est quand même pas mal, hein. Belle Augusta, ça aussi. Hein. Ouais, le trou, hein. Et là, la terrasse pour manger direct. C'est là où on sent les clubs qui ont de l'histoire. Regardez cette salle. Ça, ça va faire du bien après la partie. Hein. Ouais, grave. Il y en a trop. Hein? Il y a besoin de reprendre des forces avant de reprendre la route. Là, ça va être tapas. Alors, c'est dommage avec le contre-jour, vous voyez pas, mais en fait, il y a la mer juste là. Ah. Bon, Christelle, t'as faim? Oui, un peu, oui. Bon, on a pris à picorer. On a pris ce qu'il faut. Oh, le Ramon Bellota, là. Ouais. Celui-là, il suinte. Ça va être pas mal. Croquette de chorizo, tout. Après la partie. Là, on est repu. Là, j'irai pas refaire 18 trous. Quoique. Quoique. Parce que... Oh là là, c'est fantastique, putain. Ah, il y en a des gens là qui vont partir, mais c'est vrai que c'est fou, c'est bijou. Regardez l'herbe. C'est-à-dire là, on n'est pas sur une zone de parcours, on est juste sur une butte. Vous voyez les buttes, nous, vous voyez dans quel état ça peut être, là, voilà. On va repasser au Pro Shop, même si on l'a dévalisé ce matin. Ouais, bah lui, là, je crois qu'il n'a pas tout acheté ce qu'il voulait. Voilà, j'ai pas tout pris ce que je voulais, donc on va repartir au Pro Shop et ensuite on prend la route. Alors les amis, c'est très dommage parce qu'il y a une brume qui tombe. Mais en fait, là, c'était la maison de Severiano Ballesteros, juste là. Donc il voyait le parcours, la baie, c'était pas mal. Dommage qu'il ne soit pas resté plus longtemps. Bon les amis, c'est assez incroyable, donc il y a un lieu où il faut s'arrêter. Regardez, vous avez même des places de parking réservées, exprès CV, où en fait vous avez une statue de CV, sa maison qu'on voyait de loin, et juste là derrière. Voilà, juste en hauteur avec beaucoup de vitres, là derrière ses résidences en fait. Et là vous avez un petit parc. La statue, on reconnaît voilà, son expression quand il a gagné The Open. Avec
d'ailleurs Saint-Andrews, hein, et vous avez une réplique du pont de Saint-Andrews au milieu du parc. Alors ça quand même, hein, c'est incroyable. Donc là, je monte. C'est rigolo, hein. On n'a pas besoin d'aller à Saint-Andrews. Voilà, finalement. Pas besoin d'aller à Saint-Andrews. Enfin, une photo sur le fond vert, sur le pont, ouais. Un petit fond vert au 18 de Saint-Andrews, et puis ça passe. Non, mais là, il y a l'âme. Donc voilà, petit endroit à la sortie du golfe. Je pense qu'il faut s'y arrêter parce que ça fait partie, ouais. Ça fait partie de l'histoire et du truc quand on vient ici, quoi. Franchement, voilà, si tu viens faire ça. Bon, mais c'est parti, les amis. On prend la voiture ce coup-ci, vraiment, direction la France. On rentre. Voilà, ben, on fera une petite vidéo de conclusion en arrivant à Arcachon. Et puis peut-être un peu s'il y a des belles choses sur le trajet. On est parti ? Jamais, ouais. Allez, sorti. C'est parti en route. Des bouchons sur l'autoroute, on est sorti. Sauf qu'après, ben voilà, tu peux avoir des petites surprises. Bonsoir à tous, c'est bon, on est rentré, fin du petit week-end. Il y a eu un accident sur l'autoroute, ça a été un peu long. On s'est dit, on va passer par les chemins. Ouais, ils a commencé à faire sortir, et quand on a vu la tête, on a dit, vaut mieux être dans les bouchons. Mais on a mis 5 heures pour rentrer. Ça pique un peu. En tout cas, week-end exceptionnel de vécu, juste un rêve de vécu. J'ai réalisé un de mes rêves, donc ça, c'est fabuleux. Tu l'as partagé. Voilà, très heureuse d'avoir partagé ça. C'était génial. Donc merci Gwyns & Grapes, Sylvie et Lucius, c'était parfait. Ouais. Si vous avez des séjours organisés, n'hésitez pas. Franchement, c'est une super agence. Ouais, ils sont très pros. Ouais. Ça fait vraiment ambiance familiale, quoi. Quand on discute avec eux, vous êtes juste bien. Donc par exemple, le trip qu'on a fait, je me dis entre potes et tout. Enfin bon, forcément, moi souvent je pense au Fort Bro, mais pour vos trips entre potes. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon autre passion, vous la connaissez un peu, mais le vin rouge quand même, c'est bon le vin rouge. Donc Gwyns & Grapes, vous avez compris, Greens pour le golf, mais Grapes c'est pour le vin. Donc très prochainement pour le vin, il y a aussi tout ce qui est culturel et tout, et voilà, n'hésitez pas à les contacter, ils vous feront découvrir vraiment des trucs top, bon planning, rien à s'occuper, et tout sera fait aux petits oignons, même hors des sentiers battus, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc voilà, merci à vous, j'espère que vous avez kiffé ce premier vlog voyage, il y en aura d'autres avec des beaux parcours. On se retrouve très vite, les vlogs d'Ouraburu, je l'ai bien dit, à 11h du soir après 5h de route, ça veut dire que c'est vraiment là. Et de Pedreña arrive très vite sur la chaîne. Restez connectés pour le reste. Merci à tous. On se retrouve très vite. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne douche et bonne nuit. Et amusez-vous au golf. Ciao.